Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 9 de ce magnifique playthrough sur Metro Last Light. Et donc nous en étions... Ah merde, ça, je me suis trompé encore, attendez. On se retrouve après, bien sûr, que nous ayons traversé une mine de malades pour retrouver, bien sûr, Pavel et son groupe. Donc là nous sommes dans une mine apparemment abandonnée, donc là, excusez-moi, il y a un truc à prendre derrière. Ah là, attends, je cherche toutes mes armes. Donc voilà. Donc j'ai recommencé une vidéo à 8 minutes parce qu'en fait j'ai fait un mauvais choix et je voulais pas le voir. Donc là, on va aller directement à l'objectif. Bouge pas ou on tire. On est armé. On est armé. Sur la tête de Lénine. On dirait pas le KGB. Je reconnais pas l'uniforme. Ce serait pas un des nôtres? Regarde toutes ces armes. Ne tire pas, mon pote. On est des civils. Il y a des femmes et des enfants ici. Pas de violence, d'accord? On est des réfugiés de la ligne rouge. Je suis le responsable, en quelque sorte. Même si j'ai personne sous mes ordres. Tous les hommes vaillants sont partis avec l'autre caravane. Ils voulaient nous protéger. Mais on les a attaqués. On a entendu les tirs. Ça s'est arrêté, mais on dirait qu'ils sont tous morts. On ne peut pas aller plus loin. Et si on fait demi-tour, c'est les tireurs qui nous guettent. On dirait que vous avez vu votre lot de combat. Vous pouvez nous aider. C'est pas pour moi, en fait, mais j'ai peur pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on peut vivre sans eux? Ils sont peut-être en vie. Ne les enterre pas encore. Mais les tirs, ils étaient tellement forts. Il ne reste plus rien. Et s'ils avaient gagné? Pourquoi? Pourquoi ils viennent pas nous chercher, alors? Ils viendront peut-être. Attendons. Tu crois qu'ils les ont tous tués? C'est possible. Ou c'est pire que ça. Comment? C'est l'arme parfaite contre les bandits. S'ils sont coincés, on peut surprendre les bandits. Vous n'irez nulle part. Qui va protéger les femmes par ailleurs? Mais on peut pas laisser les bandits tuer les nôtres. Un coup de chevrotine dans le ventre, ça calme les bandits. Prenez-en. Au revoir. Revenez s'il vous faut une arme, je ne bouge pas encore d'ici. On soit pillé par des bandits. Et comment il aurait pu savoir pour les bandits? Alors qu'ils disent pas que ça craint rien, quelle connerie. Et le KGB? Il nous a sauvés du KGB. Quelle différence ça fait? Imbécile! Je ne veux même pas te regarder. Dis-moi, Yasha, pourquoi t'as fui? À cause de la mobilisation. Un gars de ton âge n'a pas à manier les armes. Ensuite, j'ai été appelé. Maman m'a dit qu'avec ma chance, je mourrais dès que je serais en première ligne. Alors, elle m'a mis dans cette caravane. On dirait que c'est une erreur. Mais moi, je les ai servis 20 ans. 20 ans! Ils m'ont donné une pension. 100 grammes de champignons et une balle par jour. Et j'ai pas le droit de mendier. Ils disent que c'est une honte pour la patrie. Je préfère la trahison à la fin. Mais je vois pas à quoi je peux servir. Je suis parti parce que la guerre approche. Et notre station est sur son chemin. Lors de la dernière guerre, les gens ont fui. Mais il y avait une escouade de nos soldats à l'arrière. Un sagra de triade. Ils ont tué tout le monde. Femmes, enfants, vieillards. Pour éviter le mouvement de... Alors j'ai retenu la leçon et j'ai fui avant le début. Et nous voilà ici, coincés.
Vous avez la vie rude dans les stations en bordure. Mais bon, c'est pas mieux ici. Mon mari a été appelé. Alors je l'ai attendu. Et puis un de ses coéquipiers est venu me voir. Je me suis dit, c'est fini. Il est mort. Mais non, les fachos l'avaient capturé. Ça veut dire que sa famille doit aller au camp. Quand on se rend, on est un traître. Papa est pas un traître, c'est un héros. Un héros. Un vrai héros. Bien sûr. Ok, on va leur ouvrir la voie. Hein. Je vois pas d'autre solution. Hein. Attends, mais voir si je peux quand même pas parler au chef pour voir si je peux pas demander de l'aide. Non, apparemment non. Bon voilà, on remonte dans la drésine et on va aller affronter les fachos qui sont droit devant normalement. Ah, zut, attendez, je vais voir si je peux le rouvrir. Hop là. Ouais, parce que là il y a l'aiguillage qui est en train de merder, j'ai l'impression. Regardez, là c'est vert, là c'est rouge. Je peux pas, non, et je peux pas. Dans le cul, la baillette. Non plus, il n'y a pas une interaction à faire. Non. Bon attendez, dès qu'on sera dessus, je lui dirai. Bon, attendez, là il y a quand même un truc à récupérer. Voilà. Attendez, je vais mettre la drésine dessus et ensuite je vais essayer de bien orienter l'aiguillage. Bon, ça fait du bien de voir un peu de monde parce que jusqu'à maintenant il y avait absolument personne. Est-ce que je peux maintenant. Ouais, attendez, je regarde si je suis dessus. Normalement, je devrais. Ou je pourrais. Non, je peux pas. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Hein. Allez, on y va. Bande de dégâts. Ah bah merde, déjà les cris. Arrête de pleurnicher. Personne ne t'aidera. Bon mon pote, toi d'abord, t'as gagné. Je regarderai. D'accord. Oh putain, c'est pas vrai, déjà un viol. Mais pourquoi est-ce que tu mets tant de temps? On a déjà tout fouillé. C'est trop bien pour nous. J'avais des tas de trucs ici. Sûrement un téléval ou je sais pas. J'ai perdu toute notion d'infiltration. Les autres sont déjà sûrement rentrés et à moitié. Attendez, je vais d'abord passer par là parce que. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire parce que là-bas j'ai vu un passage. Trop loin. Putain, non, pas pétrole. Tiens, j'avais des billes. Pas médecin. Au moins, elle se tait. Alors, c'est partant. Putain, j'aime pas les matières. Elle est là. Cool. Merde. Je sais pas si elle est en tout cas. Ça casse l'ambiance. Allez, je veux dire, c'est pas des trucs. Appliqués. Au moins comme ça, c'est sûr, c'est là-bas. Bon, j'ai pas allumé le briquet hier, je pense que je vais me faire pérer encore une fois. Qui est là? Qui est là? Bon, c'est fail. On me rappelle plus du tout comment lancer le couteau. Ah putain, c'est peut-être cadavre, il bloque là, le passage. Non, c'est mort, je peux pas aller par là-bas. Peut-être par là. Non, même pas, je suis bloqué. Ouais, c'est bloqué par là aussi. Génial. Non, ça m'a absolument rien apporté. Attendez, comment on fait pour lancer les couteaux déjà? Ok, ça c'est pas encore pas. Attendez, je coupe et je reviens. Ok, j'ai compris, c'était C pour relancer les couteaux, mais à cause de ça, j'ai failli faire tout foirer. Faut pas oublier, c'est C. Donc, déjà, le problème, c'est qu'il faut éteindre toutes les lumières.
répéter. C'est pas ces mecs blindés, putain de merde, combien ils ont de trucs sur eux. Oula, là il y avait des balles. Connard, on viole pas les femmes. J'aimerais bien éteindre cette putain de lumière, voilà. Bande de bitch va. Oula, un bâtard. Putain, lui il est stuffé à mort hein, ce petit fin. Mais bon, moi je garde mes armes. Tiens, y'a pas un truc là? Non, y'a rien. En plus derrière le décor il est même pas fait. Bon, un peu de précision. Ah merde, toutes les résines se sont fait attaquer, c'est pas cool ça. Bon. Voilà, attendez, c'est comme ça, voilà. Non, ça devrait un peu les aider. Ça. Oula. Ouais, bref. Pas. Non sérieux, allez, on va le détacher. Merci bien. Je croyais. J'ai bien cru que j'étais foutu. Ils nous ont tous pris. Enfants, femmes. Je vais boucher la drésine pour vous passer. Tiens, il n'avait pas vu. Si vous les suivez, attention au tunnel technique. J'ai entendu les bandits parler d'un piège. Bon, si je veux, je peux continuer sans drésine ou avec drésine. Mais bon, moi, je préfère quoi, continuer avec la drésine. Oh là là, putain. Oh, déjà 13 minutes de vidéo, que le temps passe vite, mes amis, que le temps passe vite. Voilà. Ok, tu vas te reposer pendant que moi, je vais bien tuer les gens, comme d'hab, quoi. Bordel, ah j'ai compris pourquoi. Faut pas aller par là-bas parce que si on marche sur le radioactif, c'est sûr, on a mal aux pieds. Allez, on y go. Putain, le bruit, ils n'entendent pas, les cons. Pour appuyer furtivement sur le masque. Ok, oh tiens. Plein d'armes. Tiens, voilà, tout des trucs pour le filtre. Donc là, il n'y a pas de passage apparemment. Tiens, ils sont de l'autre côté, ok. Je pense que nous allons quitter la drésine. Putain, merde,
putain, comme un con, j'avais oublié de changer. Si on est ici, on va les délocaliser. Voilà, et maintenant. Non, je peux pas péter les trucs là-bas. Allez, on va jouer sérieux cette fois parce que là, je joue jamais sérieux. Voilà. Et de 1, attendez, il n'y a pas un mec qui vient de se noyer avant moi. Si, voilà. Oh putain. Est-ce qu'il y a un type bien payé? Je comprends avec la touche G pour comme dans les Call of. Ah, oh, vous faites chier les gars. Allez, on y go. Un autre gars. Non, personne. On est tous des tapettes, les gars. Oh my god. Casse-toi, connard. Ils sont partout ces goons, ces gros cons là. On me tire dessus. Oh bah c'est bien. Ah bordel. Où est-ce que je suis, bordel? Attendez, attendez, je vais. Faut pas que je me pop parce que si c'est très étroit, c'est très difficile de s'y retrouver. Et ne vous le cache pas. Notre mec, non, y'a plus personne. C'est bon, vous avez eu votre dose. Là, il barre, putain, y'en a encore un. Ah, je commence à avoir des crampes aux doigts, moi. Voilà. C'est bon, on va pouvoir continuer. Tiens, oh non, il n'y avait rien. Toujours observer les petits recoins. Bon, ben, je pense que ça doit être bon maintenant pour cette zone. Ouais, allez, on y go. Bah, c'est un peu chiant des fois de jouer tout le temps à l'infiltration, je ne le cache pas, parce que des fois ça manque, ça pimente pas trop le gameplay si on est tout le temps à jouer les infiltrés, à lancer les couteaux. Donc, quand même, je vais remettre les couteaux. Et maintenant que j'y pense, j'ai pas regardé en dessous du quai. Il y a l'air en dessous. Non, ça a été patché. Allez, on y go. Ouais, bon, allez, on y va. En fait, j'avance tout doucement parce que vous voyez, comme ça, je peux louper des petits endroits très importants. Apparemment. Non. Ben apparemment il faut pas. On peut pas entrer par ici. Bon ben.
ne pas gaspiller son masque est une meilleure chose. Bon, vous êtes sûr qu'on pouvait pas rentrer? Bon, bah, pas grave. Il y a des balles. Où ça, il y a des balles? C'est... Oh, c'est le trou du cul du monde ici, qui voit absolument rien.